Yo la famille, comment vous allez? Comment vous allez? Enfin. La vidéo tant attendue. Voilà. Je vous avais dit, oh, je vous avais dit. Quand je parle, on dit, toi tu parles trop. Toi tu es trop un ange. Géant, toi tu prônes trop la paix. Et voilà ça. Et pour moi, je parle toujours avec des preuves. Pour ceux qui pensent que je suis en train de mentir, qu'ils regardent intégralement la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir. Et la vidéo, et le screenshot qui prouve que ce que je suis en train de vous dire est vraiment, vraiment vrai. Voilà, je ne suis pas en train de vous mentir. C'est une très bonne nouvelle. Bien au contraire, tout le monde doit s'en réjouir. Tout le monde doit s'en réjouir. Voilà, moi je ne dors pas. Moi je traîne partout. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, je suis partout. Je fais une veille informationnelle très, très accrue. Voilà, ce n'est pas un petit travail. Franchement, moi je suis très heureux. Je suis très heureux. C'est une très bonne nouvelle. Mais avant, comme vous avez, hein, bien qu'il y a ce truc-là, il faut qu'on parle de petit déni. Je reviens encore pour la dernière fois sur le cas petit déni. Et après, on passera aux informations diverses, comme le show de Serge Beno et Fally, Youssou N'Dou et Safarel. On se prend juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Je vous avais dit ici que tôt ou tard, mon coupé décalé allait se réunir. Voilà. Et Dieu merci, c'est chose faite aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ça, il faut que je vous informe aussi que ce 6, voilà, ce 6 avril-là, Serge Beno ouvre son Eat Fast Food situé à Bassam. Donc, si tu es un vrai fan de Serge Beno, si tu aimes Serge Beno, que tu as ce temps ce samedi-là, franchement, il ne doit pas avoir de place normalement à l'inauguration de ce fast-food-là. Parce que Serge Beno, c'est quand même 1 999 000, je ne sais combien d'abonnés. Ce n'est pas normal. Donc je compte sur tous les fans, d'abord de Serge Beno, tous les fans de Didier Arafat, puisque désormais il y a réconciliation, tous les fans des Débordeaux, à aller prendre mon sandwich ce jour-là, c'est ce 6 avril-là. Donc je compte vraiment sur tout le coupé décalé parce que faut dire que c'est vrai que c'est une histoire de restauration, mais il y aura de grosses stars. Vous aurez l'occasion de voir vos stars là-bas. Bien que Didier Arafat et Debordeaux seront absents parce qu'ils sont en tournée, mais vous aurez peut-être Claire Bailly, Ariel Chiné, Safara Lobian. En tout cas, toute la grande famille de la musique ivoirienne sera présente. Donc je compte vraiment sur votre présence, je compte vraiment sur tout le monde et les médias même seront là. Voilà, et Serge Beno, comme c'est Natty School, vous allez prendre les photos en foutaise avec lui là-bas. Donc, je compte vraiment sur vous. Deuxième info, c'est-à-dire dimanche, excusez-moi, dimanche 7 avril. Dimanche 7 avril, il y a un gros show du côté de Palais de la Culture avec le grand, la légende vivante, la légende sénégalaise, le grand Youssou N'Dou, avec ses petits Fally Ipupa, Serge Beno et Safara Le Bien. Donc ce sera une, vraiment une très très belle fête. Ce sera vraiment vraiment une très très grande fête. Parce que quand même, Youssou N'Dou, c'est pas, comment dire, c'est pas petit artiste. C'est du high level. C'est pas petit l'homme. C'est du costaud. Voilà. Et c'est au palais de la culture. Et le show va se faire en live. Hein. Je ne sais pas si Safari Le Bihan, comme lui, c'est un ambianceur, comme il sait soulever foule. Je ne sais pas si ça sera en live, mais Serge Beno sera en live, Fally sera en live, le grand Youssou N'Dou sera en live. Maintenant, ça fera le bien, je ne sais pas, mais sûrement qu'il sera en live parce que c'est un show live. C'est l'événement MIF Abidjan. Donc, je vous invite tous à y participer parce que c'est la musique africaine. Voilà, c'est la promotion de la musique africaine et il faut soutenir. N'attendons pas seulement les stétois, les gens de l'extérieur pour sortir. Il faut apprendre à soutenir la musique africaine parce que la musique africaine, c'est l'avenir de la musique de demain. Voilà. Donc, c'est pas petit à faire. Bref, je vous ai dit que j'allais parler aussi de petit. Ne soyez pas pressés. Je vous dis qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, ne me pressez pas. Je sais qu'actuellement, les gens disent, oh, Eriton, tu es trop en train de trop parler et tout ça. Vous savez que Eriton, là, moi, je dépense plus. Parce que quand je donne une information, j'aime donner tous les détails. C'est pourquoi je mets près de 500 mégaoctets dans chaque vidéo. Voilà. Donc, souffrez. Hein? Vous aurez votre information tout à l'heure dans la vidéo. Mais avant, il faut qu'on parle de petit déni. Les amis, sincèrement, hein, petit déni n'a plus 41 ans.
Voilà, on me dit qu'il est vieux, il est vieux, mais je ne sais pas ce qu'on appelle vieux en fait. Parce que moi, je sais qu'à 41 ans, je n'aurai pas cette mine-là. Et moi, personnellement, ce qui ne me plaît pas dans cette histoire, c'est que quand on essaie d'approcher le staff et les proches de l'artiste, on nous dit que l'artiste va bien. On ne vous a pas dit que l'artiste a le sida. On ne vous a pas dit que l'artiste a la tuberculose. On ne vous a pas dit que l'artiste a la fièvre typhoïde. On ne vous a même pas dit que l'artiste a pallu ou a un cancer. Non, on vous dit, personnellement, moi, irritant, à visage découvert, je vous dis que l'artiste va mal. Qu'est-ce que vous attendez? Le pire est venu mettre les rip, 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 rip. Franchement, il faut, même si on ne peut pas le forcer à se soigner, à se ressaisir, quand même, il faut vraiment qu'il y ait une communication. Faut que ce soit un problème national, même, parce que, quand même, Petit Denis, c'est un acteur majeur de la musique ivoirienne. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser comme ça. Il preste, hein. Il preste de ouf. Voilà, faut pas y vous mentir, même il preste grave. Ça y tourne même. Et il a toujours son talent. Mais franchement, c'est choquant de le voir vis-à-vis. C'est parce que vous le voyez seulement en photo, que vous parlez souvent, vous laissez souvent des mauvais commentaires quand on essaie d'interpeller l'opinion publique. Mais toi qui laisses des mauvais commentaires là, si tu vois Petit Denis vis-à-vis, tu seras choqué. C'est 10 fois plus choquant qu'en image. Je sais de quoi je parle. Les amis, moi il s'est passé ici un gros fan de Petit Denis. Voilà, je suis un très gros fan de Petit Denis, c'est pourquoi je continue de parler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On le laisse comme ça. Et on n'en parle plus. Il faut qu'on soit situé. Parce que si nous autres on en parle là, c'est parce qu'on tient vraiment l'artiste. On aime tellement Petit Denis. Mais c'est pas joli. Petit Denis à la base, c'est un très beau garçon. On dit garçon de ces garçons-là, c'est un joli garçon. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Petit Denis en 99, mais en 2000, vous allez voir ses photos. C'est pas la même personne aujourd'hui. Et on fait des vidéos pour essayer de gérer un peu le problème, pour essayer d'aménager un peu le problème. Tant que le mec il tourne, il fait ses spectacles, il n'y a pas de problème, hein. C'est la vie. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et il faut qu'on s'interpelle. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans le showbiz. Surtout même dans ce monde-là. En rester là, on ne va pas parler. On dit, oh, c'est son affaire, on va le laisser comme ça. Lui, ça arrive, c'est arrivé. Quand ça arrive, au moins, si nous tous, on est indifférents, on peut dire, bon, on savait que ça allait arriver. Mais on vient faire semblant comme quoi ça nous fait trop mal, on est trop triste. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que ce dernier-là, il va durer avant vous. Il y a beaucoup qui vont partir avant lui. Voilà, voyez, c'est pas gentil. Il est sous l'effet de quelque chose. C'est pas sa faute. Moi, je lui en veux même pas. Mais toute chose a une solution. Je ne veux pas entendre dire qu'on l'a trop aidé. On ne finit pas d'aider quelqu'un qu'on aime vraiment. On ne finit jamais de l'aider. On ne finit jamais d'aider quelqu'un qu'on dit aimer vraiment, qu'on aime, qu'on porte dans son cœur. Dans vos histoires là, passez chemin. Laissez ça même. Vos arguments ne tiennent même pas. Voilà. Donc, en tout cas, bon, j'ai fait cette vidéo-là. Hein, c'est pour encore vous dire que, franchement, moi, le cas Petit Denis m'inquiète. Et puis, ce n'est pas joli à voir. Même s'il n'a pas fait sa santé, comme le dit son entourage et son staff, moi, ce n'est pas joli à voir. Ça me choque. C'est pourquoi je crie encore en tant que fan. Parce que quand elle a pour dire, faut qu'on regarde le cas Petit Denis. Parce que c'est inquiétant. Ok. Je vous ai dit ici que Serge Beno allait se réconcilier avec Didier Arafat. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Irritant, ça peut jamais arriver. Arafat, c'est un maudit. Serge Beno, c'est le plus sorcier du coupé décalé. De Bordeaux même, c'est le psychopathe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je ne parle pas beaucoup, hein. Vous allez voir la capture tout de suite. Fermez vos bouches. C'est ce genre de truc réconciliation-là qu'on attendait depuis. C'est ça qu'on attendait. Et j'espère que vous, les fans, vous n'allez pas venir gâter ça encore avec vos mauvais commentaires. Avec vos envies souillées là. Parce que vous, quand un artiste se réconcilie avec un autre, ça vous fait mal. Pourquoi? Comme si lui, tout seul, il peut se faire. Tout comme s'il y a des featuring entre eux, ça sera bénéfique pour tout le monde. En tout cas, moi, je suis très heureux. Parce que, Dieu merci, De Bordeaux a envoyé un message très émouvant à Didier Arafat et Serge Beno, et Dieu merci, ces derniers-là ont mis bas la terre et ont accepté ses excuses.
Et je vous informe que quand des Bordeaux et Didier Arafat vont revenir de leur tournée, ces trois-là feront une vidéo pour vous dire que désormais le coupé décalé est réuni. Il reste maintenant le cas mixte des Bordeaux, j'espère qu'il va se régler aussi. En tout cas, je suis très content de vous donner cette nouvelle-là. Partagez-la avec votre entourage et dites-leur que désormais le coupé décalé est réuni. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé, hein. Je vais vous montrer maintenant la capture et puis on se prend demain. En tout cas, partagez la vidéo et sachez que Hériton vous aime. Capture de réconciliation, les amis. Ciao, ciao.